Bonjour Mathilde, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens ici dans le vlog, enfin je revenais, en fait je venais ouvrir le vlog, mais en fait j'ai eu un souci, j'ai perdu la partie du lundi que je venais ouvrir le vlog, du coup je vais faire, je viens ouvrir ce vlog. En même temps, du coup comme j'ai perdu cette partie, j'ai perdu la partie où je vous parlais d'un bouquin. Et c'est un bouquin que... Excusez-moi, ça m'énerve d'avoir perdu cette partie. J'ai eu des petits soucis avec mon PC, du coup, je crois que j'ai supprimé en même temps. Du coup, voilà. Mais j'avais un bouquin que j'avais envie de vous parler. Du coup, au moment de monter la vidéo que je m'en perçois, du coup, je reviens maintenant pour vous parler de Mirol, des éditions addictives de Anata Ring King. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée pour l'autrice, si je me trompe. Je l'ai lu en lecture commune avec des filles sur Instagram. J'ai beaucoup aimé cette plume. L'univers est très 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 belle. En fait, je ne vous ai pas pris l'autre. Il y a un autre livre qu'on peut... faut absolument... Enfin, pas absolument. C'est ça se lit indépendamment, mais il y a l'autre à lire avant. Logiquement, moi je l'ai pas lu, je l'ai acheté, il est dans ma palle, du coup je lirai plus tard. Voilà. J'ai adoré suivre ces personnages qu'on suit, je ne sais plus, du coup Rose et lui c'est je ne sais plus. Ils sont à l'université, ils ont un grand secret tous les deux, ils se haient à Taillon, Tarion, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Ils ont tous les deux un secret qu'ils ne dévoilent pas trop. Voilà, ils se détestent, ils ne s'aiment pas du tout, mais le fait que... y a un petit truc qui va se passer dans ce bouquin va les relier, on va dire ça comme ça. Voilà, et j'ai trouvé très chouette l'histoire. Et ça se lit tout seul. Franchement, j'en ai lu en une semaine, moi qui lis pas beaucoup. Il fait 300 et quelque chose de pages. J'ai adoré ce bouquin. Je vous le conseille de le lire, mais l'autre, il faut lire... Je vous le prends tout de suite, attendez. Je suis revenue, il faut lire Unroll. C'est Unroll, aussi de la même autrice. Voilà, les deux... Il se lit indépendamment, mais c'est mieux de lire celui-là avant celui-là parce qu'on retrouve les personnes de ce bouquin dans celui-là. Voilà. On suit les mêmes personnages, si je me rappelle bien, à part Rose ici. Mais on suit les mêmes personnages, du coup, voilà. Celui-là est plus épais que celui-là, voilà. Mais il me tente beaucoup aussi. Du coup, voilà. Celui-là, il est lu. Celui-là, pas encore. Mais voilà. Les torse-poils, on adore. Voilà, mais il faut absolument que vous lisiez si vous ne les avez pas encore lus. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire. Voilà. Il est trop chouette. J'ai adoré. J'ai adoré. Je pensais pas adorer autant. Et ça se lit fluidement. C'est pas compliqué à lire. L'histoire est super aussi. C'est tellement rare. Mais je commence à apprécier beaucoup les addictifs et les Misha. Je sais pas pourquoi, mais je commence à vraiment aller dans cet univers, enfin dans cette maison de collection, cette maison, enfin ces maisons, voilà, que Hugo. Hugo, j'aime bien aussi, mais voilà, je suis partie d'ailleurs pour le moment. Voilà. Voilà ce que je voulais dire avec ma perte de mon dossier, voilà. Mais vous l'aurez quand même. Je viens de le faire. On est vendredi, mais je vous la fais quand même. On serait lundi pour vous. Voilà. Ça ne change rien pour vous. Je vais juste insérer ça à la place. Voilà. Parce que je voulais absolument que vous avez point sur ce livre. Même si vous allez l'avoir peut-être en point lecture, je pense. D'ici quelques temps, je pense. Je ne sais pas combien de livres je suis déjà. Du coup, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Enfin, de ce vlog. Voilà. J'espère que le vlog vous plaira. Bisous, bisous, bisous. Et je suis encore désolée d'avoir perdu cette partie. Bonjour, mes tous les soeurs. J'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est mardi 17 août. J'ai un doute. Voilà. Je suis
pas longtemps à réveiller. Du coup, voilà, je me suis fait réveiller par le téléphone. Ça, c'est embêtant. Bon, on fait avec. Voilà, j'ai des cheveux qui perdent partout. Je dois laver mes cheveux. Je pensais les laver ce matin. Mais comme je vous ai dit, je me suis fait réveiller par le téléphone. Et le téléphone, c'était ma mamie qui me demandait d'aller donner un coup de main chez elle. Du coup, je vais aller lui donner un coup de main et je ferai ma tignasse après. Voilà. J'ai monsieur qui m'envoie un message quand je commence à vlogger. Il m'ennuie. Voilà. Et j'ai une tasse de chocolat. Là. On va retirer la tasse de chocolat. Ça, c'est mon cacao du matin. J'ai même pas encore déjeuné. Mon petit déjeuner est là, mais j'ai vraiment pas faim. J'avais juste soif. Du coup, voilà. J'ai lu 36 pages hier. C'est pas énorme parce que je vais vous dire pourquoi. Non! Pourquoi? Voilà. Je vais vous parler d'abord. J'ai lu 36, 30, 36, 38, 36, 38 pages de ce bouquin. Voilà, j'en avance doucement, mais sûrement. Je suis au chapitre 24, à la page 344. Je commence à avancer doucement, mais sûrement. Voilà, j'aime toujours autant. C'est aussi une histoire assez spéciale dans ce univers de... Je ne sais plus si c'est football américain, foot. La jeune fille qu'on suit, c'est Elisabeth, 27, 20, 27, 28 ans. En plus, c'est marqué 28 ans. Elle a une petite librairie. Il y a un truc qui s'est passé dans son passé. On n'en sait pas plus. Enfin, moi, je commence à le découvrir à la page 200 et des. 300. 300. Du coup, voilà. Parce qu'elle rencontre le jeune garçon qui, je ne sais plus son nom. Ah non, c'est lui et Élise. Non, elle, c'est Charlotte, je crois. Non, c'est Charlotte du Sud. Je ne sais plus son. Enfin, on va dire aucun des noms comme ça, les deux personnages. La fille, elle tient une librairie et lui, il est football. Footballeur américain, voilà, je trouvais pas le nom. C'est un garçon drogué, sexy, alcool, tout ce qui passe, il peut, mais sauf que il a eu un souci, il s'est fait virer de par son autre équipe et il voudrait intégrer une autre équipe, mais problème c'est que cette équipe faut pas faire la connerie comme il fait et du coup son agent de probation, enfin bon, c'est comme ça qu'on dit je crois, enfin son manager, je pense que ça doit être comme ça. Qui va tout faire pour qu'il rentre dans cette équipe. Voilà. Sauf qu'il va avoir, il va rentrer dans l'équipe, sauf qu'il va avoir des choses qu'il ne peut plus faire. Voilà. Et tous les deux se rencontrent et il y a un truc qui va se passer et les liens vont se tisser. Les secrets vont se nou dénouer et j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que les fois. Le secret, ça commence à me passer un peu là parce que c'est tout le temps la même chose. Voilà. Celui que j'ai lu, que j'ai fini, c'est presque la même chose que dedans. Voilà. Je ne sais plus quoi en dire. Voilà. Deux secrets, inavouables. Ah, c'est April, c'est ça. On peut se savoir. Ouais, lui, c'est ça. April et Ezili seront-ils capables de tout leur dire et tout s'avouer et tout se pardonner? Voilà. Deux âmes et deux personnes cabossées. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? On va voir hein, pour les 200 pages. Je ne sais plus, je ne sais plus compter. Voilà. À part ça, j'ai fait une vente que j'avais posée tout à l'heure sur Vinted. Ça, j'aime bien. Des sous-sous. Voilà. Je veux vous les montrer aussi. Oh, Caspé. On voit pas bien avec le reflet du plastique. Hop, j'essaie de le retirer. Hop, voilà, ce sera beaucoup mieux. J'ai fait ça hier soir. Tout ce qui est noir, la tête de Maléfique, tout ce qui est en noir, là, j'ai fait ça hier.
Ouais, temps de ma soirée, enfin une partie de la soirée, à la place de regarder ma série Ici tout commence et demain nous appartient, qui dure de 6h30 à 7h moins, non, 8h moins quart, ben je fais ça en même temps. Voilà. Et au soir, j'ai lu un tout petit peu. Et puis j'ai joué à la Switch, à Pokémon. Je sais jamais le nom. Pokémon. C'est comment le nom? Unique? Uni? Je sais pas si vous allez bien le voir. Avec la lumière. Pokémon Lumi. Là. Pokémon Lumi. Voilà, j'ai joué à ça hier après-midi. Enfin, en soirée. Avec monsieur à côté de moi. Du coup, c'était très chouette. Ça m'occupe un peu, ça me change les esprits. Voilà, que lire tout le temps aussi. J'ai mon chat qui est en train de péter un plomb. Je vais le zigouiller. Oudi, tu vas te calmer? Juste parce que je ne le laisse pas dans le couloir. Voilà. Et là, maintenant, je vais regarder un vlog de je sais plus qui et je vais faire du Damon en même temps et je vais ouvrir la porte à mon chat. Voilà, sur ce, de moment je devrais recevoir un colis, mais j'ai croisé les doigts pour moi que je l'aurai avant midi ou il faudrait que j'aille le chercher demain. Demain de 9h à 10h je vais au sport. Du coup je sais pas si je vous reprendrai avec moi au sport. Voilà, je pense pas, peut-être sur le chemin en retour, peut-être. Je vous prendrai à ce moment-là. Après, je reviens ici. Je prends ma petite douche. Enfin, j'hésite à faire mes cheveux demain comme je vais au sport. Je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. J'ai envie de les faire. J'en ai marre de voir ma tignasse. Il faut que je fasse ma colo aussi. Ouais. Mais j'hésite à arrêter ma colo et de la refaire. Dites-moi ce que vous pensez si je la refais ou pas. Je leur passe mes cheveux naturels. Voilà, je sais pas, j'hésite. Ça me coûte quand même pas mal. Enfin, soit. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, et vers 4h demain, j'ai pédicure. Du coup, il faut que je prends avant, entre les deux. Voilà, parce que je voudrais bien quand je rentre, parce que tant que je descends, il va être 10h30, prendre ma petite douche. Là, je vais dire 11h, 11h15. Oudi, bordel de cul, fastique. Si j'arrive, Oudi, je te jure que je te casse ta tête, tes noisettes. Et puis, il faut que je mange. Et après, je ne sais pas ce que je ferai en attendant. On va peut-être bouquiner et après j'ai pédicure qui va faire du bien parce que j'ai mal aux pieds. Voilà, parce que ceux qui n'aiment pas qu'on parle de pieds, voilà, faut aller plus loin. En fait, j'ai mes ongles qui rentrent dans ma peau, dans mes orteils. En fait, ils rentrent, si vous voulez, l'ongle là, il rentre là dans ma peau. Et avant, je les faisais moi-même, mais je faisais pas bien et j'arrivais pas à aller les chercher correctement. Du coup, ça fait très mal à la longue. Et c'est pour ça que je suis retournée. J'ai essayé de tourner à une pédicure. Parce que je pourrais faire moi-même. Mais c'est plus facile que la pédicure fasse elle-même. Elle sait comment aller chercher l'ongle qui rentre dans la peau. Et moi, elle me fait moins mal, elle, que moi. Voilà, je me blesse, moi. Voilà. Et comme c'est dangereux de se blesser, voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. J'espère avoir mon colis avant que je parte. Voilà tout ce que j'espère. Ce que j'allais dire. Je vais aller casser ces noisettes à ce chat. Il est en train d'emmerder ma fifille. Je vais l'ouvrir la porte. Sur ce, je vous laisse et je vais m'occuper de mon chat. Je vous dis à tantôt ou à demain. Oh, certainement à tantôt si j'ai mon colis avant. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Je sais pas quand on se retrouve. À tantôt ou à demain. Pour vous, à tout de suite. Ça change pas grand-chose.
Bonjour Mathieu, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. J'ai un peu chaud. J'ai des cheveux partout. Un peu chaud. Ne regardez pas ma tignasse. Faut que je la fasse. Voilà, je les ai lavés hier. Sauf que je vais vous expliquer, hier, tout ce que j'avais prévu à faire chez moi, j'ai pas su faire. Du coup, voilà. Je vous explique pourquoi. En fait, je crois que je vous ai dit hier matin qu'on m'a réveillé au téléphone. J'ai dû aller aider mon papa, parce que je vous l'avais dit dans un des vlogs, je ne sais plus lequel, que le mur de ma mamie était tombé. Logiquement, il y avait un monsieur, un très gentil monsieur, qui venait s'occuper de retirer tout ce qui était tombé et refaire le mur, sauf que il lui a arrivé un pépin et du coup il est bloqué, et il ne sait pas venir. Mais du coup, nous, on n'a pas le passage pour aller au jardin. Parce que j'avais fait le jardin avec ma mamie il y a, je ne sais plus combien de temps, 2 mois. Moi, je pense qu'il y a 2 mois maintenant. Ça passe tellement vite que peut-être, il y en a peut-être 3. J'avais fait le jardin avec ma mamie, commence à tondre et tout ça. Et le mur est tombé, on n'a plus aller continuer à faire ce qu'on avait fait dans le jardin. Du coup, j'ai peur de retrouver le jardin comme l'autre fois, avec des hautes herbes. Voilà. Et du coup, avec mon papa, on a fait un passage. Comme ça, si début de semaine, parce que mon papa va en vacances ici. Et du coup, on va voir comment le temps va se dérouler. Parce qu'on a eu samedi, dimanche du très bon temps. Lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, on est mercredi. Oh là là, je ne sais plus. On est mercredi, je ne sais même pas vous dire laquelle date qu'on est. Je vous le mettrai là, de toute façon. On est mercredi et il pleut depuis hier. Hier, il douche. On a commencé à faire la première remorque. On a été au conteneur. En rentrant dans la voiture, on sort du conteneur, du parking du conteneur. Il se met à doucher. On s'est dit, c'est foutu. On n'arrivera plus à faire une autre remorque. Et sur le fait, on est arrivé chez ma mamie, il ne pleuvait pas. Du coup, on a dit, on va vite faire quelques petits trucs. Enfin, dégager le plus gros du passage qui restait. Il ne restait plus des masses. Hein. On va dégager. Et même si on ne va pas au conteneur, ben, au moins, le passage, on a tout mis dans la remorque. On a remis la remorque moitié pleine dans le garage. Et on s'est dit que quand mon père reviendra, on ira retour mettre au conteneur. Voilà, parce qu'il n'y a que lui qui a une attache remorque en plus. Voilà. Et ici, le temps on dirait qu'il est en train de se dégager, mais c'est tant de caca boudin, quoi. Du coup, hier, j'ai dû aller faire ça. J'ai mal partout. Je vais aller au sport ce matin. J'avais pris 9h à 10. J'ai annulé mon rendez-vous. J'ai tellement mal mes épaules, le bas du dos. Je me dis, je vais pas aller forcer puisque j'ai déjà mal. Du coup, j'ai laissé tomber mon rendez-vous. Tant pis, j'essayerai d'aller la semaine prochaine. Ça ira beaucoup mieux. Et ou vendredi, je ne sais pas si j'ai courage d'aller vendredi. Voilà. Parce que demain, je ne suis pas là au matin. Voilà. Et voilà, on verra bien si j'ai courage. Du coup, je vais vous montrer quelques trucs. Parce que j'avais dit que j'allais recevoir un porte-colis. Là là là, voilà, petit colis. Du coup, je me suis pris un mar... un... Aidez-moi. Mini portrait 50 marque-pages à colorier Hachette Eros. Je voulais l'ouvrir, mais mes ciseaux sont là-bas. Et si je fais pause et je reviens? Ouais, je fais ça. Je suis de retour avec mes ciseaux. J'aurais peut-être dû en prendre une pour ma amie. Oh, c'est pas grave. S'il faut, je le reprendrai après. Décorate-moi, on voit. On va mettre ça derrière vous. Du coup, il se présente comme ceci. On voit mieux sans le truc. Et du coup, c'est tous des petits portraits. Hop. Ici, on a Daisy. Je vais pas tous vous les montrer. Il y a un ami qui est. J'aimerais bien. Je vais en faire, je pense. Je sais pas. Du coup, voilà.
C'est tous des petits portraits et je trouvais ça trop beau. Hop. Je vais les regarder tantôt correctement, un par un. Oh, il y a Mulan. Il y a Mulan! Regardez Mulan. Ouais, je vais regarder ça tantôt, après. Voilà. Après, en regardant plusieurs youtubeurs comme Mini. Ah, Mini, j'allais dire. Comme. Oh! Kimi Collection. Elle avait montré un manga qui est Ascension of Ascension, le tome 1, qu'ils ont bien aimé. Du coup, voilà, je vais vous retirer la petite bandelette. Je vais pas l'acheter parce qu'il y a des mangas dessus qui me tentent bien. Il est trop beau. J'ai regardé un petit peu les visuels et j'aime beaucoup. J'aime bien déjà regarder cette double page, trop mignonne. Voilà les personnages. Après, si vous voulez voir, hop, je vous montre. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a une petite romance. C'est un truc avec des étudiants. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit des quotidiens. Mais j'ai pas envie de lire tout parce que, comme vous voyez pas le résumé est long et que c'est un petit. J'ai peur de me faire spoiler en fait. On va suivre Yuki, une jeune étudiante. Voilà. Et il y a une petite relation entre les deux personnages. Il y a deux ou trois tomes, enfin deux tomes de sortie. Je crois que si je dis pas de bêtises, le troisième tome sort en. C'est en septembre, je crois, qu'il sort. Du coup, je vais dire le tome 1. Si ça m'intéresse, je prendrai le tome 2 et en septembre le tome 3. Voilà. Après, en fait, j'avais fait cette commande à la base pour ce petit bébé. Parce que ça, je les achète toujours. Parce que j'ai peur. Comme souvent, les livres de Disney, à un moment, on les trouve et après, on ne les retrouve plus. Du coup, dès qu'ils sortent, je m'en fiche, je les prends. Peut-être que je serai trouverai moins cher plus tard, mais je m'en fous. Je les veux absolument et je les veux neufs. Du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette commande et c'est pour ça que j'ai rajouté tout ça. Voilà. Sur ce, c'était Cœur de Pierre de Serana Valentino de chez Hachette et Rose. Du coup, c'est les Disney revisité. J'ai toujours aucun livre lu. Pourtant, il y en a déjà pas mal. Voilà. Je les ai tous. J'ai un doute sur le Diabiès. Il faudrait que je regarde. Il faut que je les retrouve tous et que je regarde si Diabiès je l'ai ou pas. Celui-là, c'est le col. J'ai même pas de nom. Si j'ai Diabiès. Voilà. Du coup, c'est ici. Et si. Elle était censée vivre heureuse pour toujours. Peu de contes de fées. Attends. Un peu de contes de fées sont aussi connus que celui de la jeune belle et généreuse frappe par un malheur. Le père, plein de tendresse, qui pense qu'à lui faire retrouver l'amour d'une mère et une femme horrible, cruelle, qui s'instruit dans sa petite famille. Une femme si froide, si magnifique, qu'à la mort de son mari, elle fait de sa belle-fille un servant dans sa propre demeure. Mais qui est véritablement cette horrible belle-mère, la maîtresse de la maison, glaciale, comme elle a perdu tout sentiment au point de ne chercher que profit de Dieu, d'une pauvre enfant pour approcher tous les biens et les dilapides de sa fille. Mais avant le bal fantastique, la pantoufle de verre et de la princesse aurait une histoire était écrite. Une histoire d'amour et chagrine,
l'espoir de rêver de briser l'histoire de Lady Termine. Même les méchants les plus redoutables peuvent être des époux et une mère de femmes qui ont aimé, se sont battues et qui ont espoir de vivre quelque chose d'extraordinaire. Les derniers romans de la série 19 Villas de Servina Lentino met en scène la maîtresse le plus diabolique, vilipendée de tout le temps, seulement pour vous révéler l'histoire que vous avez jamais aperçue. Voilà. Ça doit être pas mal. Mais il faudrait que je me mette en route. Je vais essayer de trouver et essayer de me lire au moins un ou deux. Voilà. Mais j'ai un doute sur celui-là, Diabolus du Cruella. J'ai un doute. Il faut que j'essaye de les retrouver. Je vais essayer de les retrouver, c'est là. Après, j'ai... Ça, c'est sur Instagram. En faisant la LC pour le livre que j'ai lu, que vous avez vu au début du vlog, il y a une jeune fille qui... enfin, je ne sais même pas si elle est plus jeune ou plus vieille que moi, mais enfin, il y a une fille qui m'a... conseillé de lire celui-là pour le premier, c'est c'est Les Vampires de Chicago, tome 1, Certains Maîtres des Dents, de Chloé Nell, chez Milady, dans la collection Bitlit. Voilà, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tomes, c'est ça? 1, 2, 3, ouais, il y a 10 tomes. Voilà. Ça m'embête un peu de commencer une série de 10 tomes que j'ai encore là des livres à commencer. Du coup, voilà. Mais ça me tentait bien. Et le dernier que j'ai dû aller chercher ce matin, parce qu'il est arrivé un petit peu après ma mamie. Et je suis fan de ses collections. C'est comme mon livre. Voilà. J'aime bien ses collections. C'est... celui-là, il est trop beau. J'adore ces collections. Regardez ces couvertures. Mais ils sont à tomber par terre. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime bien ces collections. Du coup, c'est... ah oui, j'avais pas vu qu'il marquait le tome 1. Une Terre of Wild, tome 1, Protégez-moi. De l'édition Micha et Casternel. Édition. De Marie Luni. Voilà, il est trop beau. J'aime beaucoup. Et les couleurs orangées là derrière. Regardez cette couleur. Je ne sais pas de quoi ça parle. Les filles ont parlé aussi de ce roman. Mais je me suis procurée. Du coup, on va lire le quatrième de couverture. Sora a passé tout son enfant au sein d'un club du nom... c'est ce nom-là en fait. Du livre. Donc, ses parents étaient les derniers membres actifs, mais à la suite du décès précoce de son père, sa mère quitte les Wanyu. Il faudra que je demande comment ça se dit exactement pour tenter de se reconstruire. Sora ne pense pas revenir sur les pas de ses parents 14 ans plus tard, et pourtant, elle est dans l'obligation de leur demander à Siley de protéger sa mère a été assassinée et Sora est en danger de mort. Bien entendu, les Walter, je sais pas quand même, qui accompagnent toute leur protection autant que le président, qui n'est d'autre que Nino, alias LCE. C'est l'ex-meilleur ami de Sora, l'enfant du club. Ils ont passé toute leur jeunesse ensemble. Ils ont été même promis de venir commune. Le départ soudain de Sora m'a profondément marqué. Et la transformé en un homme dur et sans attache. Son retour va-t-il chambouler leur vie? Pourrait-il renouer le lien qui l'unissait à jamais? Pour se protéger,
leur veille, leur vue sur le club et aussi Maniash. Et une passion de romance à tout genre de tout l'amour. Voilà. J'aimerais bien le lire pas trop longtemps. Il me donne très envie. Voilà. Après, je reviens dans ma lecture. Comme vous avez entendu hier, je n'étais pas beaucoup chez moi. Je suis rentrée qui était 4 heures. Quand je suis rentrée à 4 heures, j'ai pris une douche. Et quand j'ai pris ma douche à environ 4h30, j'étais directement à la douche. Quand je suis rentrée, je me suis déshabillée, j'étais directement à la douche. Parce que j'étais crados. Et que je vais dire. Quand je suis sortie de la douche, je me suis essuyée, j'ai lavé mes cheveux, tout ça. Et pour 6 heures, on allait aller manger. J'étais mangée avec ma mamie, mon papa et... Oh, elle m'énerve. Toujours apparaître là. Et mon chéri. Du coup, je n'ai pas beaucoup lu. J'ai même raté ma série. Mais là, je pense lire un peu parce que je suis fatiguée. J'ai vraiment pas envie de faire quoi que ce soit là maintenant. Je pense que je vais lire jusque midi. Il est 10h45. Je vais lire un peu. Voilà. Il me reste surtout pas beaucoup. J'ai lu un tout petit peu hier. Je suis à la page 386. Je suis en plein milieu d'un chapitre. Hier, je ne savais plus tenir. J'ai essayé de lire. J'ai lu quand même pas mal, pas mal hier soir. Voilà. Je suis à... J'approche du chapitre. J'approche du chapitre 27. Et le dernier chapitre, c'est 33. Voilà, comme ça vous savez. J'aime bien. Maintenant, je commence seulement à m'accrocher presque à la fin du bouquin. On apprend vraiment l'histoire qui s'est passée avec son papa et sa maman. En fait, on va suivre, je ne sais jamais leur nom, les deux personnages. Elle, c'est April. Ouais, c'est ça, April et lui, je ne sais jamais. Et les yeux, je ne sais pas comment ça se dit. On va suivre elle qui a eu des problèmes dans son adolescence, qui a dû se débrouiller, qui a une librairie à elle, et elle a eu on est venu cambrioler sa librairie. Lui, c'était un jeune star, une jeune star déchue du foot américain. En fait, il a fait tellement de trucs, voilà. Les soirées et tout ça, il revenait pompette et voilà. Il est horrible ce mec au début. Parce qu'après, il commence à venir plus beau. Et ils vont se rencontrer et ils vont s'aider avec leur secret tous les deux. Ils ont tous les deux un secret très dur, très touchant. Elle, en fait, un jour, papa, maman la dépose chez une copine, je pense, si c'est ça. Ouais, c'est ça. Et son papa, en fait, il doit aller au tribunal. Non, j'ai quelque chose. Mais je vous dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler. Parce que heureusement, bah, ça sert à rien de lire le livre. Voilà, j'ai un truc dans mon pantalon qui me gêne. Mais il est tombé, je crois. Ouais, voilà. Du coup, je veux pas vous spoiler, mais il y a un truc qui s'est passé. Et... voilà, il y a un drame bien sûr, et du coup c'est un secret. Et ici on reçoit, en fait son papa avait écrit une lettre. Je suis en train de, j'étais au chapitre, enfin j'ai lu le chapitre où son papa a, enfin qu'il y a une personne qui s'approche d'elle, mais elle se méfie, et c'est l'avocat de son papa qui va lui donner une lettre, parce que son papa lui avait dit à l'avocat, dès qu'elle a ses 24 ans je pense. Je ne sais jamais les chiffres. Les noms et les chiffres, c'est deux. Enfin, qu'elle a un âge, vous lui donnez cette lettre et il va lui expliquer ce qui s'est passé. Et il lui demande de faire un truc pour lui. Mais est-ce qu'elle va le faire? Ça, j'en sais rien. Du coup, je vais continuer pour ce savoir. Mais j'aime bien. Ouais, ça se lit tout seul. En plus, c'est les Micha. C'est ça, ouais, Micha. Se lit tout seul, mais franchement, dès que je me mets dedans, hier je crois que j'ai lu une vingtaine de pages, je sais pas combien j'étais, une vingtaine de pages, mais là il me reste
moins que 200, je pense. Parce qu'il va jusqu'ici. Bien sûr. Je lis quand même le prologue. Voilà. Ça, je vais lire quand même le prologue. Et puis les remerciements, souvent je lis rarement ou alors je lis en diagonale. Et du coup, il va jusqu'au 517. Voilà le remerciement. Du coup, il fait. Je suis à 300 aider, il fait 517. Ouais, il fait. Ouais, il me reste un peu plus de 20, 120 pages, un truc comme ça. Je vous dis le matin, je compte pas. Ouais, les remerciements, voilà quoi. Souvent, j'ai lu en diagonale. Voilà. En plus, ça fait 2 pages le remerciement. Bon, ça va aller vite là. Voilà, du coup, j'aimerais bien essayer de le terminer aujourd'hui. Je suis pas sûre, mais je vais essayer. Voilà pour tout ça. J'ai fait un peu du diamond painting hier, mais je ne vais pas vous le montrer parce que là, vous êtes dessus. En attendant ma mamie, ben, j'ai joué un tout petit. Non, c'est hier soir. Moi, hier soir, avant d'avoir pris ma douche, je me suis apprêtée et j'étais fatiguée et épuisée. J'ai joué un petit peu à Pokémon Russell, je sais plus comment. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai fait hier. Je suis fatiguée. Voilà de tout ce que j'ai vous ai montré. Les nouveaux derniers pupitres qui sont arrivés dans ma palle. Après, il faut que je fasse un no buy. Un no buy. Voilà, parce que j'ai trop de trucs à lire. Regardez tout ce qu'il y a alors là. Okay, rien n'est lu. À part le livre. Ah, c'est peut-être le livre là au-dessus. Ouais, ça c'est celui que je vous ai déjà montré. Ouais, ça c'est le livre que j'ai déjà lu. Qu'il faut que je fasse photo et Insta. Voilà. Mais j'ai encore le tome 2 et 3 à lire. Voilà. Et arrêtons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense rien à voir. Aussi, j'ai eu des soucis avec encore une fois, ma Webox. On a envoyé des mails. Il faut que je voie avec monsieur parce que du coup, ils m'ont pas répondu s'ils allaient me renvoyer ma box ou pas. Parce que j'ai pas celle de juillet et j'ai pas celle de août. Non, c'est juin, juillet, j'ai eu et août, j'ai toujours pas eu. Du coup, monsieur a essayé d'envoyer un mail. Ils ont répondu, mais ils n'ont pas parlé de la box. Du coup, je vais lui dire de renvoyer un mail avec la. Comme quoi, quand j'aurai recevoir mes box. Parce que ça m'énerve. Voilà. Et j'arrive pas à me déconnecter de ce bazar. Si quelqu'un sait comment on se déconnecte de Webox, dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi, j'ai reçu un mail comme quoi il fallait dans les machin, machin. Mais pas moyen de trouver. Ou c'est moi qui blonde et qui trouve pas. Même monsieur ne trouve pas. J'en ai marre. Le Webox m'énerve. J'en peux plus. J'en peux plus. Il me fatigue. Ça fait 2 mois que je ne reçois pas de box. J'en ai marre d'eux. Et il me prend quand même mes sous. Du coup, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vais vous renseigner avec monsieur parce qu'il y en a de la box. Voilà, ce sera ce soir, ça. Je vous tiendrai au courant demain. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard, ou peut-être demain, je pense. Je ne serai pas. À part si je finis le livre aujourd'hui, que je viendrai vous en parler. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bye bye! Bonjour mes tutos, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi. Je ne sais plus le combien. Bon, ouais, on est jeudi. Mois d'août. Oh, mais j'ai ma montre. Pourquoi je regarde pas? Le 19. Jeudi 19 août. Et je voulais vous montrer ce que j'ai fait un col. Enfin, j'ai acheté un truc lundi, mardi, sur Vinted. Et je viens de le recevoir. Voilà le livre. Je vous montrerai mieux Spin Girl à l'auteur de L'After, Anatole Long. Aux éditions Hugo Roman dans la collection Nous Roman. Voilà, on voit pas bien ici tout tout tout. En plus j'ai le bandeau qui m'embête. Voilà, sans le bandeau c'est beaucoup mieux. Pop hop, voilà. Mais je vais revenir, je vais chercher après mon trépied parce que là je suis à bras et j'ai mal mes bras aujourd'hui. Je vais garder après mon trépied. Je reviens. Je suis de retour.
On est toujours jeudi. Voilà. Du coup, je vais pouvoir vous le montrer un peu mieux. Voilà. C'était un sacré bébé quand même. C'est pas combien de pages il fait. 400, 470. Non, je pensais plus. Non. Une adaptation modèle de quatre filles du docteur Marsh. Voilà, je ne sais pas exactement. Il me tente bien. Ça fait un moment qu'il me tente. Voilà, je viens de l'acheter sur Vinted. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je revenais dans ce vlog. Parce que j'ai enfin terminé ce bouquin. Je suis trop contente. Je viens juste de terminer. En fait, il me restait une vingtaine de pages hier soir. Je reviens. Voilà, monsieur vient de rentrer, c'est pour ça, du coup, je lui dis bonjour quand même. Du coup, je viens de le terminer. J'ai même pas encore mis une note, j'ai même pas encore réfléchi. C'était une bonne lecture, la fin m'a surpris. Je pensais pas du tout avoir cette fin dans ce roman. Parce qu'on va suivre deux personnages, April et lui, je sais jamais, et Zélia, je ne sais jamais. Enfin, le personnage masculin. Du coup, cette personnage qu'on suit, elle dans la ville de Caroline, dans la ville de Caroline, en Caroline, Charlotte, en Caroline du Nord. Ouh là là, je ne sais plus. Une femme réservée, vit passionnément auprès de sa mère et de son frère, travaille-t-elle dans une petite librairie avec des amis qu'elle adore, tout simple, simple et parfait. Voilà, lui c'est un jeune, il a 27-28 ans, c'est un jeune star déchu du foot américain, aussi antipathique. Après à April, il est pas gentil avec April au début. À drogue, sexe, alcool, tout est bon pour tenter d'oublier le problème, ses problèmes. Voilà, mais le problème, ils vont se rencontrer et ils vont se passer des choses. Ils ont chacun un petit secret. Ils vont se dévoiler de petit à petit entre les deux personnages. C'est très beau. L'histoire est mouvante. Je pensais pas du tout que, en fait, l'histoire à ce point-là va m'a touché la fin. Ça m'énerve de voir, je sais pas pourquoi il y a là, enfin soit, en fait il va avoir une histoire qui vont se relier entre eux deux, parce qu'il y a un truc qui vont se passer et il y a un lien, enfin il n'y a pas un lien, mais il y a un truc qui va se passer et qui va se relier, qui va leur voilà, se toucher, encore avoir un lien plus fort je pense. Parce que voilà, il y a un truc qui se passe. Il faut le lire. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. J'ai mis plus longtemps à lire celui-ci que des autres. Mais comme j'ai fait ma LC en même temps, j'avais mis en pause. Mais je ne suis pas déçue de l'avoir choisi, cette lecture. Maintenant, c'est autre chose. C'est que, est-ce que je vais choisir? Du coup, je vais regarder à ça. Et je pense que je vous dirai plus tôt. Et regardez ce... Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si je fais ça, peut-être. Ce que monsieur vient de faire au boulot. On voit. Hop. Un petit stitch. Il a gravé le verre. C'est lui-même qui fait ça. Les gravures sur verre. Voilà. On voit peut-être mieux. Bon, tous les détails ne sont pas faits à 100%. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. On voit bien qu'il y a beaucoup de... Il n'a pas bien rempli les yeux, par exemple. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, pour des débuts, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais j'ai rien d'autre à dire, à part qu'il faut que je choisisse ma future lecture. Je ne sais pas si je prends ça. Mais je pense pas. Ou si je prends un autre. Ah, on va regarder à ça. Et je vous tiens au courant. Ou alors je me fais un petit peu un manga ou deux pour le week-end. Parce que week-end, je pense pas lire beaucoup. Du coup, voilà.
Je ne sais pas, je verrai bien. Voilà. Du coup, je vais vous laisser, je ne vous reprendrai pas plus longtemps. J'ai rien d'autre à dire. Il est 4 heures, 16 heures exactement. Voilà, je suis un peu fatiguée. Je viens de lire ma fin de page. Je suis contente. Je suis arrivée à la fin de ce livre. Voilà. Maintenant, je vais réfléchir à ma prochaine lecture. Bon, je vais aller voir monsieur comment il va. Voilà, il a demandé sa journée, tout ça. Voilà. Pour ça, je vous laisse et je vous retrouve plus tard demain. Demain, on sera vendredi et je viendrai conclure le vlog en même temps et vous montrer ma prochaine lecture pour le prochain vlog de la semaine. Voilà. Je vous reprendrai peut-être du week-end. Je sais pas. Je verrai bien avec mes. Si. Voilà. Comment ça va se passer. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bonjour Monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi très bien. Je reviens dans ce vlog. On est vendredi 20 août. Voilà. Du coup, je voulais vous revenir. Je vous avais parlé que j'avais. Je vous ai dit que j'avais terminé ma lecture. Je pense que je vous ai dit ce que je pensais hier. Du coup, je ne vais pas en revenir sur ça. Voilà. Et du coup, j'ai dû choisir avec plusieurs livres qui me tentaient bien. Par contre, c'est celui que je voulais absolument lire. Je l'ai oublié. Je l'ai zappé. Si j'arrive à le prendre. Oui. Je pourrais l'attraper. Au début de base. Hop, je remets ça là. J'avais envie de dire celui-ci, Love Dynasty, qui est aussi un de Lina Wop. C'est un nom publié. Voilà. Il n'y a pas de maison d'édition. C'est la personne même qui le publie. Et je trouve très beau cette couverture. Même les chapitres. Bien sûr, je ne vais pas trouver de chapitre. Voilà, au début, ce sera mieux. Allez, hop. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits dessins tout discrets là. Des herbes. Voilà. Il y a des petits machins comme ça. Voilà. Des petites où il n'y a presque rien dessus. Je pensais lire cela. Là, on voit peut-être mieux les chapitres et des fleurs. Je pensais lire ça, mais je l'ai oublié. Du coup, j'avais mis autre chose. Voilà, mais du coup, je me suis pris. En fait, sur Instagram, il y a une jeune fille, plus jeune que moi, c'est pour ça que je dis jeune fille, qui a montré celui-ci. Et du coup, elle a dit qu'elle allait le lire avant la fin de la fin du mois. Du coup, je me dis pourquoi pas essayer de le lire aussi. Du coup, c'est Bobby Painting de collection Bobby Pen. Je n'ai pas le nom de l'autrice. Ou c'est Carmeniable. Je ne sais pas comment ça dit. Un torse-poil. J'ai mis beaucoup de torse-poil. Voilà. J'avais mis aussi, pour vous dire, les Mark and Men, le tome 1. J'avais envie de me le faire. Mais voilà. C'est pas ça que j'ai choisi. En fait, voilà. C'est pas moi qui ai choisi, en fait. J'avais mis 6 livres sur le lit. Et mon chat est arrivé. Et je lui ai dit, choisis un livre. Et il s'est couché. Il a mis la patte sur celui-là. Du coup, je me dis bah, pourquoi pas le lire. Comme il y en a une qui devait le lire sur Insta, je me dis pourquoi pas essayer de le lire en même temps. Enfin, elle va pas le lire en même temps que moi, mais c'est pas grave. Essayer d'en parler en même temps quand elle le lira. Voilà. Je suis arrivée à la page 61. J'aimerais bien arriver à la page 100 aujourd'hui. Essayer de lire 50 pages par jour. Je sais pas combien il fait de pages. 419, on va dire. Voilà, j'aimerais bien essayer d'avancer un peu tous les jours. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais vous monter. Je vais monter ce vlog à l'instant. Je vais aller sur Insta d'abord montrer. Je vais faire un book haul sur Insta et parler aussi de mes lectures en cours. Comme ça, voilà. Essayer de me remettre à Insta complètement correctement. Vous voulez me suivre? Mon Insta est dans la bio. N'hésitez pas à aller la retrouver. Me suivre là-bas. C'est là où je poste assez souvent. Ouais, quand je ne pense. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de penser un peu plus si je veux avoir plus d'abonnés. Voilà.
Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais conclure ce vlog. Je pense que, ouais. À part que ce soir, je vais continuer ou tantôt lire ça. Mais voilà. Je vais essayer de lire ça après-midi. Avant que. Comme ce sera rentré. Ça se lit assez vite. Du coup, je vous ai même pas parlé de ce livre. Mais je sais pas. Est-ce que je vous le montre juste et que je vous en parle dans le prochain vlog? Où j'en parle maintenant et voilà, je sais pas. J'ai envie de garder le suspense et vous le dire dans le prochain vlog, je pense. Que je suis méchante. Enfin, si vous voulez, vous avez le nom de Bobby Painting. Allez voir sur Amazon, Livre Addict. Vous avez la description en barre d'infos. Enfin, en barre. Je sais pas le mettre dans barre d'infos. Il faut que je voie comment je peux faire. Voilà. Ou vous allez sur n'importe quoi avec le nom et vous allez trouver. La quatrième de couverture sans problème. Voilà, mais j'ai pas envie de vous le dire là. Puis il y a des faudra que je vous le dise. Je vais vous le dire là, on sait jamais avant que vous l'achetez. Il y a des, comment on dit, un lecteur averti. Voilà. Pour ceux qui on sait jamais qu'il est tenté d'aller le voir, de lire, je vais vous lire les avertissements. Du lecteur. Cet ouvrage explose des thèmes difficiles. Certaines scènes a été détaillées peuvent choquer les sensibilités des jeunes, des plus jeunes pour le public averti. Voilà. Vous allez rentrer dans un roman Walbrook où le côté psychologique tient une place importante. Le fond de l'histoire est basé sur un thème d'art, mais la plus grande partie met à honneur l'amour, la famille et ce qu'on a choisi. Celle-ci est le premier open d'une collection consacrée à l'art du corps qui pourrait se lire indépendamment. Je vous souhaite une bonne lecture. Si je comprends bien, il y avait un autre livre avant. Il faudrait que je lui demande, tiens. C'est la note de l'autrice hein, que je vous ai lue là maintenant. Voilà, comme ça vous savez en cas où il y a quand même des avertissements dans ce bouquin. En tout cas, moi je le ressens bien le côté. Comment c'est. Oh, j'arrive plus à trouver ma mot. Psychologique, il y a un truc dedans. Je crois que franchement, il peut faut que le cafard un petit peu. Et moi qui ai déjà pas trop le moral en ce moment, j'ai peur. Je suis allée à 60, enfin 61 pages. J'avais déjà envie d'arrêter à la 20e, mais je me dis non, on va encore essayer un peu. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, j'espère que je vais tenir le coup. Bon, je vais laisser ça là. Voilà. Sur ce, je n'ai rien d'autre à vous dire. N'hésitez pas à aller retrouver toutes les vidéos dans ma chaîne YouTube. Hein. Voilà, parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont pas mal aussi. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve peut-être demain. Je pense que demain, je vais commencer un vlog. Si mes amis sont d'accord, qu'ils apparaissent dedans. Enfin, ils sont déjà apparus. Du coup, voilà. Il y a une autre LC qui va se mettre en place logiquement. Du coup, pour le mois de septembre, je ne sais pas quelle va être annoncée. J'espère, croisons les doigts, que je peut-être ce livre. Voilà pour septembre. En ce moment, je me le procurerai. J'aime bien lire avec eux. Du coup, pourquoi pas. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou prochain vlog. Bye bye tout le monde!